tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve de magie. Coucou les loulous. Coucou. Mais est-ce que ça va bien? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Oh là là, mais moi je vois des grosses choses sur cette table. Bah oui. Ah oui les amis, oh, on a ramené ça d'où? L'Espagne. L'Espagne. Eh oui, l'Espagne. Ah. Nous sommes partis pendant les vacances en Espagne et on a ramené des super souvenirs. On a ramené des sucettes. Oh, regardez-moi ça. Oh, elle est énorme, la sucette. Alors bien sûr, c'est une sucette où à l'intérieur, il y a 20 unités. Ce n'est pas une vraie grosse sucette, sinon on ne pourrait pas la manger entière. Ouais, donc aujourd'hui, on va avoir la vraie grosse sucette. Vous avez deviné, les amis, qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale dégustation espagnole. Avec donc une méga sucette. Tiens, ma chérie. Oh. Regardez. Hop, hop, hop. Choupa choups. Corentin, méga marteau. Elle est à quoi ta sucette Choupa Choup? Elle est au coca et Corentin au chewing gum. Coca et Corentin, une méga sucette, voilà, qui est au... Bah ça rentre même pas dans les crans tellement elle est grosse. Pareil, il y en a 23 là, 23, et qui est la marque hop, Fiesta. Donc ce sont des sucettes à la cerise avec un chewing-gum à l'intérieur. Allez, tiens pour toi, hop là. Mais c'est qui a le plus de sucettes? C'est, Fiesta. Voilà, pour faire la fête. Ouais. Et ensuite, nous avons trouvé... C'est la mienne parce que moi, elle est grosse. Et ensuite, nous avons trouvé en Espagne. Alors, accrochez-vous bien, nous ne les avons pas en France. Ça n'existe pas. Des Kinder Happy Hippo au cacao. Et c'est pas taïste en France. Ouais, c'est pas taïste en France. C'est écrit en espagnol, vous voyez. Hop là. Voilà. Et voilà comment ça se présente. Donc ce sont des petits hippopotames. Ça ressemble un peu au Kinder Be Ready, je pense. Avec du chocolat et du chocolat au lait et chocolat. Non, chocolat blanc et chocolat au lait à l'intérieur. Donc on va goûter ça. Ça n'existe pas en France. Et moi, je trouve trop beau. Et cela, ça existe en France. Et nous avons, alors bien sûr, en France, nous avons aussi les Kinder Joy. Mais cela, que là, ils sont écrits déjà en espagnol. Et ensuite, la surprise n'est pas la même qu'en France. Parce que nous, en ce moment, c'est l'âge de glace. Et chez eux, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais c'est certainement pas l'âge de glace. Donc voilà pourquoi on va faire une dégustation spéciale. Donc, bonbon et Kinder espagnol. D'accord, mais la sucette est lourde. On commence, les amis? Ouais. Oui. On commence par quoi? Alors, par la sucette, j'ai hâte de moi. Ah. Ouh, ça casse. Ah, donne-moi ça, Océane. Bon. Oh. Alors, voilà. Alors, je te mets bien la sucette. Hein. Je vais t'aider à l'ouvrir. Oh. Et voilà. Donc, autant vous dire que j'ai gagné contre la sucette. Mais il m'a fallu, une paire de méga ciseaux. Donc, c'est un peu ouvrir sa sucette. Tu vas tu. Et là, voilà, grosse surprise. On dirait qu'on déballe un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël, non? C'est ça. Regardez, c'est trop beau. C'est trop beau, fais voir. Ah, on voit pas bien, là. Hop. Alors, je vais vous montrer. Wow. Ah, regardez. Il y a plusieurs sucettes en biais. Elle est trop belle. Da, da, da. Ah, c'est une grosse boule. On peut ranger plein de choses à l'intérieur, je pense. Est-ce que le bâton s'enlève? Ah, même le bâton s'enlève. Regardez, hop, j'ai enlevé le bâton. Donc, vous voyez un peu la taille. Et ça peut faire une coupe. Après, tu prends dedans comme ça. Voilà la taille. À l'intérieur, il y a un super sachet. Plein de sucettes, alors là c'est tout classique. Donc voilà, regardez, il est super beau. Ça fait vraiment quelque chose pour ranger les tous vos jouets que vous avez dans les surprises. Il y a marqué Choupa Choups dessus. Et moi j'aime bien celle en bas. Oui, ma chérie. Oh, ça sent trop bon. Donc voilà, et à l'intérieur nous avons les Choupa Choups au coca. Grâce à toi, tu vois, tu arrives à l'ouvrir ou t'as besoin de ciseaux? Ça va. Ça va?
salade. Ouh. Ça a l'air dur, oh oui. Tu trouves ta petite sucette, ça c'est un minuscule. Oh, regardez, c'est trop rigolo parce que... Hop, tu vois. Hop, regardez. Alors là, nous avons la grosse sucette et la toute petite à côté. Donc, vous voyez la différence de taille, voici. Juste, elle va plein de panneaux et caméra devant les grosses de la sucette. Donc, on va, est-ce qu'il s'en sort avec la sienne? Alors, désolé avec le bruit, ça fait beaucoup de bruit, mais bon, c'est normal. Hop, donc voilà, Océane, c'est une bonne sucette au coca, comme tout le monde connaît. Encore un taille reptile. Oh, c'est comme la vraie. Est-ce que tu veux que je t'aide mon chignon de donner un petit coup de ciseau dessus, tu veux? Non? Là, je crois que c'est... C'est bon? Cœur. Oui? J'ai déjà ouvert tout ça, moi. Ah, ouais, hop là. Moi, j'ai déjà fait un gros trou dans la truc. Alors là, hop pour toi. Ok, fiesta, donc, la sucette de Corentin n'est pas pareille que la choupa choups. Mais elle fait la même taille. Donc voilà, elles sont différentes. L'autre, elle est avec du transparent. Et on entend le chien aboyer. Les mêmes sucettes, mais en beaucoup plus petit dans un sachet. Oh, ça sent bien, mon frère. Ouais, ça sent super bon. Oh, ça sent super bon à l'intérieur de ça. Là, voilà. Ça sent le chewing-gum à l'intérieur de ça. Super, sucette, cerise, chewing-gum. Voilà, ah, attends, je te l'ouvre parce qu'elles sont... Ah non, elles sont faciles à ouvrir, celle-là. Tiens. Et voilà. C'est un trampoline pour faire goûter, maman. Merci, ma chérie. Tout le monde. Il y a la chewing-gum. Oh, on peut voir comment elle est. Elle est un peu platos. Ouais, mais elle est cassée un peu. Non, elle n'est pas cassée, c'est qu'elle a la tête plate. Si elle est cassée, ça doit être transparent. Alors, Corentin et Océane ont trouvé un nouveau jeu, donc ils ont dit que ça c'était une ventouse comme dans Mario pour les toilettes. Hop là. Et ils ont mis le jabot sur la tête. Ah bah vous êtes trop chouette, trop chouette, trop chouette. Ça peut faire aussi un super déguisement, les amis. Très très joli déguisement, Océane. Collection automne-hiver de chez Choupa Choups et Corentin. Version fin d'été 2016 chez Fiesta. On ouvre la suite, les enfants. Oui. Je l'enlever. Je l'enlever. Pour faire un autre sac. Voir notre sac. Tu peux mettre comme ça. Regardez, je vais déboucher les toilettes. Regardez le casque, on verse ça directement et après la couche. Ça marche, hein? Waouh, c'est un peu trop clair, on ne voit plus. Coucou. Bon, on ouvre la suite, les amis? Oui, oui. Ah, maintenant on ouvre quoi? Les Kinder comme ça. Kinder Joy? Oui? Merci. Alors, je vous aide à les ouvrir parce que c'est un peu dur. Non, j'arrive, moi. Non, j'arrive. Quand même, parce que sur les surprises espagnoles, on gardait, il n'y a pas le nom de la série. Donc, Corentin a eu un petit, enfin, c'est une petite catapulte, on va dire, avec un élastique qui projette des petits disques sur des quilles. Donc, voilà, trois quilles. Et Océane, apparemment, a eu la même chose, mais d'un coloris différent. Donc, Corentin a eu le rose et Océane le bleu. Et ensuite, ils ont eu des jeux de raquettes. Ouh là là, mais c'est rigolo ça. Alors, pareil, là, il n'y a pas de nom de série dessus. Voilà. Donc, ce sont des petites raquettes avec une balle. Alors, moi, je trouve ça super rigolo. Alors, Corentin a eu la violette et Océane, t'en as eu aussi? Ah ouais, bon, Océane, elle a eu les vertes. Alors, faites voir comment ça se fait. Alors, Corentin est en train de monter la boule. Il en a déjà monté une. Voilà, la petite boule. Mais c'est dur. T'arrives pas? On a une. T'as envie de jouer? Alors, faites voir, moi j'enfile. Regardez comme c'est rigolo. Enfile la petite raquette sur le doigt. Moi j'ai des gros doigts. Tac, et là, bim, 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 avec la balle. Alors, allez. Hop, parti. Hop, attention. Ah non, pas du tout. Je sais pas où elle est passée là. Oh là, j'ai perdu la boule.
J'ai perdu la boule, j'ai perdu la boule. Donc bon, c'est rigolo. C'est pas très facile parce que j'ai déjà perdu la boule. Donc voilà, donc j'ai une petite raquette comme ça avec une boule. Faudra qu'on s'entraîne. Qui ouvre les Happy Hippo? Pas bon, je peux pas plus l'Océane. Moi. Océane? Bon, bon, Océane. Ah, vas-y, ouvre Océane. Hop là. Bon, moi j'y joue. Oh, c'est trop pitié d'avoir la raquette sur le doigt. Ah, c'est sûr qu'Océane, au tennis, ça va pas la raquette sur le doigt. Oh là là, Océane a un truc ouvert. Voilà, comme ça, c'est fait. Hop là, à moi. Ça fait mal. Je vais en prendre un. Regardez. Oh, c'est trop mimi. Merci maman, tu m'as fait un niveau hyper trop dur. Regarde comme ça c'est beau, regardez ça, c'est magnifique. Alors on va les ouvrir. Hein. Donc c'est un petit paquet transparent, voilà. On ne les connaît pas en France, ça. Happy Hippo cacao, parce qu'il existe au chocolat blanc aussi, mais nous on a préparé pendant au cacao. On ouvre. Ah, il y a une surprise dedans. Non, il n'y a pas de surprise dedans. Donc là on l'ouvre et là je le sors de son emballage. Et c'est trop choupi. On dirait une grosse cacahuète. Alors regardez ce qu'ils ont fait. Alors dessous, ils ont mis du chocolat. Ça, du chocolat au lait. Donc ça doit avoir le goût du Kinder Surprise, je pense. Ils ont même fait les petits yeux, regardez. Ils ont fait les petits yeux en chocolat blanc. Alors je goûte, hein. J'aime pas. T'as du Nutella. Avec du chocolat blanc, alors quand on a un goût, c'est un peu comme le biologie, c'est super. Ah, ça va. Moi, je suis pas trop concentrée. Non, non, de l'un éléphant. On n'aime pas. Yeah. Ah, Océane, elle n'aime pas. Un qui. Maintenant, il ne me reste plus que deux qui. Alors, quand on tient, joue avec les jouets. Voilà. Et maman, elle mange. Alors, ça, j'adore. C'est vraiment dommage que ça n'existe pas en France. Parce que moi, j'aime bien. Bon, Océane n'aime pas. Quentin n'a pas voulu encore goûter, mais bon, c'est pas grave. Mais s'ils n'aiment pas, c'est pas grave. Hein. Moi, je les mangerai. Hein. Je les mangerai volontiers. Enfin, c'est vraiment super bon. Alors, si vous avez l'occasion d'aller en Espagne ou en Allemagne, même les pays frontaliers de l'Allemagne. Ou en anglais. Enfin, les pays de l'île. Ou en anglais. Non, pas en Angleterre, ça n'existe pas. Enfin, ça existe en Allemagne et en Espagne, mais Happy Hippo. Donc, si vous avez l'occasion, prenez-en une boîte et goûtez. Enfin, c'est super bon. Vous parlez de... Non. Alors, les petits copains, c'est déjà... La fin de cette vidéo. Ouais. Mais bon, on se retrouvera la prochaine fois. Ah oui. Alors, dites-nous, tiens, dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire dans les commentaires? Où ils sont partis en vacances. Où est-ce qu'ils sont partis en vacances? Ouais, ce serait sympa, savoir si vous avez un peu voyagé ou si vous restez à la maison, si vous avez fait des activités. Si vous avez un voyage en avion. Ah oui, si vous êtes partis en avion aussi, ça peut être sympa. Donc, nous, on allait en Espagne, voilà. Et dites-nous aussi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous aimeriez goûter à tous ces produits, si vous en avez déjà vu, pourquoi pas. N'oubliez surtout pas aussi de mettre un petit commentaire. Ouais, un petit commentaire, un petit pouce vers le bas. Pouce vers le haut. Et, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao les amis! À la prochaine! Bisous, bisous!